bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 5. Tu cherches un évidemment comme allié dans une guerre. Je veux juste... Je préfère n'écarter aucune piste. Continuons, d'accord? Je suis content d'être là, d'explorer un nouveau royaume. Peut-être devrait-on profiter de la chaleur. Il va nous falloir ouvrir cette porte si on veut accéder à Nissa Velir. Évidemment, comme d'habitude, 4K 60 FPS, mettez-vous à l'aise, un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas. Et n'oubliez pas le petit j'aime, ça fait toujours extrêmement plaisir, le commentaire. Je vous le dis, en cet épisode 5, quel bonheur de voir à chaque fois et de vous lire sous chaque épisode. Bien. Ok. Alors, attendez, parce que là on peut passer par ici, ensuite on peut passer par ici. Et qu'est-ce qu'on a là? Pas grand chose, hein. Pas grand chose. Quoi? Ah, d'accord. Alors attendez. Ok. Voyons ce qu'elle a perdu. Ok. Qu'est-ce que c'est? Du cuir? Non mais autant que ça! Des pots de scorie... Ok. Et du fer forgé. C'était assez ouf. Là-haut. C'était assez ouf. En tout cas, cette petite bête en avait quand même beaucoup en ressources sur elle. Ok. Là, je suppose qu'il va falloir baisser. On est à la moitié. Il doit y avoir une autre chaîne pour finir d'abaisser la porte. Oui, je m'en occupe, Bibi, je t'inquiète. Et là? Ok, dommage. Dommage. Regarde, on peut tirer sur cette chaîne là-haut. Là, on va passer par ici au calme. Et qu'est-ce qu'on a là? Un morne est perché là-haut! Fais-le tomber! Il est riche. Oh non! Ok. La vache. Beaucoup trop chaud. Ah. Ok. Oh mais il travaille l'esquive d'eau, frère. Ok. Très bien ça. Attends, reviens par ici. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Superbe. Attends. J'ai entendu comme un bruit de quelque chose de ouf qui tombait. Let's go. Ok, un Michael Jesus en plus. Et je suppose qu'il va falloir tout simplement ici retravailler un peu le sujet. Voilà. Superbe. Des restes de bêtes. Je crois que je sais. Si tu gèles le geyser, la pression actionnera la roue. Tu te fous de ma gueule, là. Pas mal. Je suis un monstre. I am a fucking monster. Ok. Tu vois quelque chose depuis ce bloc? Attendez. Bah attends. Genre, Kratos, tu veux pas faire un petit effort? Parce que là-haut, il y a un putain de coffre. Attends, ça dégage déjà. Oh non, Kratos. C'est pas le moment. Ah, j'ai peut-être mon idée. Ok, j'ai mon idée. Reboucher le geyser. Et ça va mettre une pression haute ici. Très bien. Allez. Ça. C'est l'un des poèmes de Gvasir. Très élaboré. Ok. Tu devrais essayer de les collecter. On a un poème? Ok, du fer forgé. Et on a la suite ici. La porte est ouverte. J'ai l'impression d'ouvrir toutes les portes, frérot, de chaque royaume. Petit, j'ai une question. À chaque fois? Qu'espères-tu apprendre de Tyr exactement? Eh bien, comme je le dis, j'espère qu'on pourra m'en dire plus sur Loki. Et aussi, j'aimerais entendre ces histoires. Ces voyages sur d'autres terres, les géants et... peut-être comment c'était de combattre à cette époque.
Juste pour l'histoire, évidemment. Pour l'histoire. Espérons que Tyr soit d'humeur à parler après toutes ces années de captivité. Tous les prisonniers d'Odin ne sont en effet pas aussi loquaces que moi. Nous ignorons si Tyr est bien ici. C'est vrai. Ok. On continue, les amis. On a fait déjà pas mal. Cette secousse tout à l'heure. Il pourrait y en avoir d'autres ? J'en doute. Mais ce genre de phénomène géologique est imprévisible. Si les geysers et l'odeur ici sont pires à cause de Fimbulwetter, peut-être que les tremblements de terre aussi ? Ah ! Tu as peut-être raison, petit. Ok. Oh. Atreus, devant toi. Oh, alors ça, c'est une cité. Bienvenue à Nissabelle, mes frères. Ok. Hé, hey, des nains. Ils s'enfuient. On dit des petits êtres magiques. Mince alors. Terrible. Une alarme. Pour faire sonner pareille alarme, il me faudrait retrouver mon corps et craindre d'en être à nouveau détaché. Quoi ? Tout ça pour nous ? Ils ont peur. C'est bel et bien une alarme, je le crains. Pourquoi tout le monde se cache ? Attention. Vache ! Ok. Je vis en paix. Nidavellir, région découverte. Hé, hey, est-ce qu'on peut vous parler de... N'attendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont a parlé Sindri. Ok. Et ça, qu'est-ce donc une protection... protection naine ? Je sais pas. Le doute m'habite. Ils ont des petites maisons, c'est très mignon, hein. C'est très mignon. Est-ce que c'est une statue d'Odin ? Ok. Ils doivent vraiment bien l'aimer. Ou le craindre. Effectivement. Mais si ça se trouve, Odin, c'est une zoulette, hein. Sindri ! Bonjour. Moi, je ne suis pas surpris. Je savais que vous seriez ici. J'ai quelque chose pour vous. J'arrive, mon pote. Mais avant, je récupère ceci. Merci de l'avoir récupéré. Ok. Qu'y a-t-il, nain ? Je suis content d'être revenu ici au moins une fois avant le Ragnarok. Oh, si ces dalles pouvaient parler. Elles auraient des bouches. D'horribles bouches puantes. Tu permets que je jette un œil à ton arc ? Pouf, il y a longtemps que t'aurais dû changer tout ça. Tirer parti de la sensibilité structurelle. Aouh ! De certains matériaux aux vibrations sonores est quelque chose que je rêve de tester depuis un bon moment déjà. Merci d'essayer sur mon arc. Que vas-tu faire cette fois ? Patience ! Je trouve qu'il est mieux de voir ces choses... de ses yeux. Oh. Voilà. Tire donc vers cette arche-là. Mais avant de décocher, dis... Skialfa. Je ne m'attendais pas à vous voir réveiller la moitié des affreux rampants de Nissabelli. Okay. Comment aurais-je pu savoir qu'il serait là ? Attention à gauche ! Oui, attendez, je tape le sujet avec mes potes, là. Ok. C'est bon. Plus de mal que de peur. Maintenant ? Atreus, par ici. Non, attendez, Bonne chance.
Attendez. Il semblerait que Nissa Velir soit verrouillée par notre faute. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Je soupçonne cette immense statue d'Odin d'y être... Tu sais où se trouve la taverne ? D'avoir déjà mis les pieds dans une taverne crasseuse. Ces égouts que vous venez de découvrir me paraissent être une bonne piste. Suivez-la sans moi. Vous devriez pouvoir rejoindre l'autre côté de la ville. Tu y trouveras d'autres portes à cogner. Un petit parchemin... Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le bouclier qui était juste ici. Ok, let's go. Superbe. Choqué, mais pas déçu, je vous le dis. Allez, des dépôts de scories encore une fois. Un autre poème de passer. Deuxième poème. 2 sur 14, c'est cool. C'est cool. Ok. Bon bah on va voir si on peut pas acheter un petit truc en vrai, non? Ça peut être sympa, tiens, regardez ce qu'il y a là. Tiens, regardez ce qu'il y a là. Bah voilà, oh. C'est vraiment de notre faute, c'est pas possible. Ah, les yeux d'Odin. Je reconnais bien là le vieux corbeau. Corbeau 1 sur 48. Ah ouais, les yeux d'Odin qu'ils étaient déjà dans God of War. Hein, putain, mais ils ont tout a été précalculé, ça a été incroyable. Et j'espère qu'ils ont fait la trilogie comme ça. Pierre de résurrection. On va en faire une, on n'a pas le choix. Très bien. Une pierre magique permettant de ressusciter une petite quantité de santé. D'accord, oui, c'est vrai. À la prochaine fois. Incroyable. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Améliorable! On passe de 10 à 25. J'ai quoi d'équipé là? Je piche pas. Ok. Et là, on passe de 2 à 7. Et pommeau de bois. Chance élevée d'obtenir un don de force à chaque élimination. Je préfère ça, hein. Non, je préfère ça. Ok. Hop, j'améliore l'âge, j'ai rien à péter. De plus en plus puissante. J'améliore l'âge, j'en ai rien à péter. Et les lames, ça donne quoi? On peut améliorer ça. Ouais, on améliore, on se fait plaisir. On peut améliorer ça. Ça devrait faire mal. Il me refaut des dépôts de scurries. Ok. Très bien. Je suis, comme toujours, à ton service. Très bien. Est-ce que par hasard... Ressources insuffisantes. Ah, il me manque un peu d'XP de Kratos. Est-ce que par hasard, si on fait ça... Ben, bien sûr qu'on peut. Ok. Attaque corps à corps, des lames infligent des dégâts supplémentaires contre les ennemis gelés. Très bien. Après avoir empalé un ennemi. Non, mais là, c'est surtout ça, lors d'un sprint, appuyer sur R1 pour bondir. Là, j'aime bien. Ok. Et Atreus, on va l'améliorer, Miskin. Atreus attire l'attention de l'ennemi lorsque Kratos est sous pression. C'est bien ça. C'est un bon fils ça. Ok. Maintenez R2 pour une attaque sauvage qui projette les ennemis. C'est bien ça. Ouais, je commande tout. J'aime bien. Ok, allez, on s'est bien amélioré, on commence à devenir des machines. Bonne chance. Et ça me plaît. Suivant. Là, on est plus de défense, plus d'attaque, plus de technique, tactique. Ben, ici aussi, tout le monde se bat. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne voit aucun garde patrouiller. Nous ne sommes pas une menace. Pourquoi se cacher ? Résiste, et tu serviras d'exemple pour dissuader les autres. L'instinct de survie peut prendre le pas sur le courage, aussi brave soit-on. La peur les préserve du danger.
tiens. Très bien. J'aime bien. Quoi? Ah. Ah. C'est bon? Non, mais c'est pas vrai. Je ne dois pas être loin de la taverne. Peut-être qu'on peut frapper aux portes pour demander le prochain. Okay. Une bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieuse, jusqu'à ce qu'elle opte pour des méthodes de résistance moins subtiles. Très bien. C'est par ici. Ok. Allez, ça dégage. Ok, mais alors pourquoi j'ai tiré là-dedans si ça sert à rien en fait, frérot? À part libérer le mal. Attends, peut-être qu'il a lâché un truc, non? J'ai loupé, non? Je sais pas. Non, non, je sais pas, c'est très bizarre. J'ai juste libéré un ennemi, c'était gratuit, les gars. Et très sympa, mais putain, ils ont une vie de ouf, hein, c'est gigantesque. J'aimerais bien habiter là. Tiens. Par contre, c'est un merdier pas possible. Oh, on va leur mettre de côté, on va pas leur détruire quand même leur citrouille et tutti quanti là, parce que déjà qu'ils m'aiment pas beaucoup. Ça. Non, on ne dirait pas une maison. S'il est là, il vaut sans doute mieux que vous me laissiez parler. Toi. L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal. Mais il a raison. Très bien. On a besoin d'équipement spécial pour utiliser ça. C'est une cheminée. Qu'est-ce qu'on a là? On va tout fouiller avant. On va tout fouiller. Je on crois que je vois quelque chose. Quoi? Où ça? Eh oh! Je viens de tuer un oiseau totalement innocent. Oh, ouvre ta porte là! Oh, ça vend du poisson. Ok. Rien à péter. Ah, plus d'oiseaux, je déteste les oiseaux. Ah, ils peuvent être partout, les corbeaux d'Odin, là. Les yeux d'Odin, ça peut être terrible. Ok. Allez, on avance. On a perdu assez de temps. Allez, fils, viens. Parle-lui. Hop, on rentre sans toquer, bas les couilles. Hein. Est-ce que ça, on n'a aucun respect. Bonjour. Méfiez-vous. Apparemment, il y aura des intrus. Ah, c'est nous, je crois. Eh bien, si vous comptez me tuer, laissez-moi au moins finir cette chanson. Cette alarme avait pile la bonne tonalité. On cherche seulement un ami. Il s'appelle Durlin. Je sais que c'est pas possible. Durlin n'a plus d'amis. Mais si c'est ce que vous voulez, passez par derrière, là, et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière. Mais tâchez d'éviter de nous causer des ennuis. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille? Plus tard, mon frère. Bizarre. Et c'est quoi ça? Parle-moi de cette pagaille. Les tours dans la baie. Pourquoi ne pas demander au crâne arrogant? La tête! J'ai de la peau. Mais c'est vrai, j'ai fait une erreur. Il faudrait les arrêter. Au service d'Asgard. Commencer. C'est donc une quête secondaire. Arrêtez les tours de forage. Allez, on va mettre. Même si j'ai une flemme pas possible. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref. Tiens. Et sois prudent. Une boussole? C'est magnifique.
Merci, Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment? Si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avez décidé de vous rendre ensemble, alors oui. C'est une boussole. Ah, mais une magnifique boussole. Maintenant, filez. J'avais raison. Ah, la boussole des nains et la carte peuvent vous guider vers les objectifs, évidemment. Très, très bien. Objectif principal ici. Ne plus suivre. Ok. Évidemment, et ça, c'est les tours, je suppose. Très bien. Ok. La vache. C'est très complexe. C'est très complexe pour pas grand-chose, parce que c'est une boussole comme tous les jeux. Il nous faut un bateau. Oh. Tout à l'heure, Sindri semblait dire que Durlin était une sorte de chef rebelle. Faut styler la maison naine. J'ai l'impression qu'il soit très subi. Était. C'est là toute la nuance, petit frère. Ok. Oh. Oh merde. On va se faire un torticolis. Il y a de l'argent partout, on est en train de racketter un nain. Ok. Très bien. Ça me plaît. On se barre. Oh, le soleil! Oh, la vache! Ça te fait une opération des yeux, le merdier. Là-bas. Il y a peut-être un bateau qui nous permettra de rejoindre Durlin. Ok, 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 ok. Ah non, mais putain, hé, ils ont écouté la sonnette d'alarme, il n'y a plus personne dans les rues, frérot. Un accès mystique a été rajouté, très bien. On pourra se téléporter ici au besoin. Ok. On se casse. Il y a un édifice après ces rochers derrière moi. Ouais, je le vois. Devrions nous en approcher. Ok, c'est beau, ça a de la gueule. Le jeu est magnifique, hein. Ah, vraiment. Ces maudites tours de forage. C'est quoi ces tours? Le Skald a raison de m'en vouloir. C'était mon idée. Si tu as le temps, elles sont dans la baie au bout de ce tunnel. Ok. On va les faire, on va les faire les tours de forage. Je suppose que c'est une tour où il y a sûrement un ou des ennemis. Rien de bien grave. Ou alors un mécanisme à activer ou désactiver. J'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite. On voit leur panache de fumée d'ici. Ouais, ouais, ouais. Si la tu baie n'as du pas putain... envie d'explorer pour l'instant, Durlin semble se trouver après cette porte ouverte, à gauche. Ok. On est large. Bon, on va faire les baies. Alors, par où on va? On peut se préparer encore avant de sauver Tyr. À toi de voir. On a le temps, Bibiche. Oh, une goutte, une sacrée goutte, hein, la vache. Boire la rosée de l'arbre monde a des bienfaits durables. D'accord. Mimir, c'est toi qui as fait construire toutes ces tours? Odin voulait avoir les nains sous son contrôle et... Eh bien, je l'ai convaincu d'acheter leur allégeance plutôt que de l'exiger. Un accord commercial, en quelque sorte. Ok, j'ai les trois tours, mais alors comment on y va? Aucune fichue ID. Tu crois que cette grue marche encore? Ok, j'ai sûrement une tour ici. Très bien. Bon, on va faire les trois tours. Est ici. Tu vois la fumée au-dessus de nous? C'est là que nous allons. Voyons si nous pouvons l'arrêter. Et ben voilà. Si les nains n'aimaient pas travailler pour Asgard, pourquoi ne pas arrêter? Et ensuite, leur nouvelle forge empoisonnait le sol de Svartalfheim. Dans l'incapacité de cultiver leur nourriture, ils devaient l'acheter à Asgard. S'ils avaient arrêté de travailler, ils se seraient ôté le pain de la bouche. Ah, oh, c'est rusé. Et affreux. Ok. Derrière toi! Ah non, la petite rapière, il se dégage. Voilà, mort. Allez, un premier coffre. On prend. Oh. Une graine d'Yggdrasil pour Muspelheim.
Tu crois qu'elle mène à l'arène de combat qu'on a vue la dernière fois? Qu'est-ce que dans un creuset. Je crois que j'aimerais bien. Regardez le grand jet de sur. C'était amusant. C'était de l'entraînement. Tu ne t'es pas amusé? D'accord. Bien. Nous devrions trouver la seconde moitié de la graine. Elle sera à nouveau complète. Nous verrons où elle mène. Ok. Génial, on peut traverser maintenant. Viens pas. Ça c'est une petite merde, c'est chiant. Voilà. Ok, superbe. Encore? Eh bien encore. Attends. Hop, raccourci. Ok. Il y a beaucoup de choses à explorer un peu partout. Allez, ça en prend aussi. On se régale. C'est l'épisode de la régalade, je vous le dis. Oh, le jeu est tellement beau, par contre, tellement beau et fluide, c'est impressionnant. Et dire qu'il est aussi sorti sur PS4 en vrai, c'est quand même assez fou. Allez, on va avoir le temps de faire au moins une forge pour cet épisode, ce qui est plutôt pas trop mal. On fera les deux autres épisodes prochains. Elle nous envoie ses calamités sans aucune retenue. Il nous suffit de l'éliminer. Ok. Derrière toi. Ok. Attention. Hop, esquive. Esquive. Allez, je suis un putain de monstre, mon pote. Des bébés, voilà. Ça dégage. Pas de temps pour vos conneries. La tour doit déborder de matériaux qui nous seraient utiles. Nous devrions en profiter pour nous servir au passage. Eh ben, let's go alors. Let's go, let's go. Bien sûr qu'on va en profiter. Les nains ont accepté le pacte avec Asgard. Pourquoi ils t'en veulent? Je les ai conduits à leur exploitation. C'était leur choix. Creuse ou crève, ce n'est pas un choix. Je l'ai seulement présenté comme tel. Ce que tu viens de ramasser, c'est du minerai pur de Svartalfheim. Il ne servira plus à rien ici, mais peut-être que les frères Uldre sauront quoi fabriquer avec. Ok, ça je m'en doutais un petit peu de cette explosion. Bien. Il n'y a plus rien à faire là-haut, c'est ça. Et ben voilà. Une bonne chose de faite, les amis. On va s'arrêter là. Hop, on va quand même descendre et reprendre le bateau. Attends. Il y a sûrement quelque chose de fou là-haut. Ah non, c'est de là où je viens, non? Ouais, c'est de là où je viens. Ok, on est pas mal. Les amis, père, n'oubliez pas. Est-il toujours moral de tuer une créature qui cherche à te tuer? Oui. Tu as ta réponse, petit. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve lors de l'épisode 6 pour les deux autres les effets forages afin d'extraire du minerai pour l'armement. Bisous tout le monde. Ainsi les nains de ressources qui auraient dû leur revenir. Si on arrête ces tours, les nains retrouveront leur indépendance? Je l'ignore, mais je dois faire quelque chose.